Voici en résumé pour ceux qui nous découvrent. Notre histoire a démarré en 2016 à l'achat de notre premier camping-car, un vieux Ford Transit MK2 avec une cellule Gruo, qui après son acquisition, on a découvert qu'il était incapable de partir en vacances. Voilà comment on a commencé nos départs d'aventure sans savoir que Nico en prendrait du plaisir et que cela signait le début d'une aventure. Depuis, nous publions des vidéos sur la rénovation de notre troisième camping-car et celui-là a été détruit et reconstruit de ses mains. C'est vos retours et les échanges que nous créons qui nous motivent vraiment. Au final, c'est grâce à vous. Alors merci. Ow.
Salut les amis. Bon bah voilà. Bah vous avez découvert Tracassou donc dans sa version comme je dis génie 2.0, c'est-à-dire que relooké quoi. Relooké, reconstruit avec son look final. Voilà. Donc il me reste encore pas mal de finition parce que c'est ce qui est le plus long hein, la finition. Sur l'extérieur et puis tout l'intérieur est pas fini. Bon, après des heures et des heures de préparation, de ponçage, parce qu'il faut se rappeler quand même que Tracassou, il avait une couche de peinture impressionnante. Hein, où, pour avoir, c'était une vraie galère. Plus jamais je reprendrai un camping-car peint en rouleau, plus jamais. C'est trop galère. Donc si jamais vous achetez un camping-car, vous avez l'intention de le refaire et qu'il a été peint en rouleau, soit vous avez une sableuse pour arriver à le ravoir, sinon il ne faut pas compter 16 heures, quoi. C'est vraiment c'est interminable. Voilà. Bon, je suis bien content que la peinture soit faite, que l'extérieur soit quasiment fini. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la peinture, parce que toute la peinture n'est pas faite, hein, donc j'ai encore toute la peinture du toit à faire. Au gel coat. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo avec les baguettes que j'ai posées sur le toit pour faire l'étanchéité. Voilà. Donc la peinture, elle est en trois couleurs. Voilà, le noir, le blanc et l'orange. Donc il y a eu une couche d'après de passer avant de faire la peinture, qui a été reponcée, encore une fois. Et puis je me suis bien amusé pour faire le rattrapage entre le covering à l'arrière là, et puis la partie de devant pour essayer d'avoir les mêmes teintes qui s'en rapprochent. Et puis le suivi des lignes pour arriver à faire le design à la fin. Donc ça fut relativement long parce qu'il y a plein de passages en fait. Il y a toute la partie devant qui a été faite. Donc la partie blanche là, en premier, cette partie-là. Après j'ai passé le orange. Voilà, donc il a fallu recacher mon blanc pour arriver à faire une ligne propre. Et puis en dernier, tout le noir, c'est pareil, il a fallu recacher encore une fois pour faire toute la partie en noir. Voilà. Donc, ça a été sportif pour arriver à faire tout ça et surtout que mes lignes se joignent. Qui a un raccord propre. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez de la couleur. Si vous aimez ou pas, vous avez le droit. C'est pas défendu. Voilà. Donc Tracassou, on ira faire un petit road trip avec quand il sera fini. Histoire de tester toutes les. Si tout fonctionne avec, alors pour le moment, le road trip il est vite fait puisqu'on est confiné, n'est-ce pas? Mais j'espère que à un moment donné, on va pouvoir nous les donner un peu de liberté avec ce Covid. J'espère qu'à un moment donné, on va nous donner un peu de liberté avec ce Covid, qu'on puisse essayer Tracassou. Voir si tout fonctionne et puis comme j'ai un autre projet derrière, mais ça on vous le dira plus tard, Tracassou, il sera à vendre. Voilà. Mais ça, l'autre projet, c'est une surprise. Voilà. En même temps, si j'en avais pas un à faire, je m'ennuierais.
zèbre, petit tour. Vite fait, voilà. Je vais peut-être vous montrer un petit bout de l'intérieur. Tac. Bon, j'ai la porte à finir là, qui n'est pas finie. Voilà. Un petit bout de l'intérieur. Bon, il est un peu crade, hein, parce qu'il y a la poussière qui est tombée dedans. Mais voilà. Une partie des meubles qui commence à être montée à l'intérieur avec la table. Enfin voilà. Le meuble haut. Là, j'en ai d'autres à refaire. Bref, il y a toujours du boulot. Bon, il me reste de la peinture aussi. Là. À la porte, mais la porte n'est pas finie, j'ai l'intérieur à faire. Donc voilà. Comme je disais, la finition, c'est super long. Ça met un temps de dingue. Donc voilà, et puis on avait une surprise à vous montrer parce que on vous disait que il y a 15 jours, ouais, ça fait déjà 15 jours, on était parti dans la Manche. Faire un petit road trip pour récupérer quelque chose, voilà, que nous avons ramené. Et ben on va vous présenter. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.